Hey les gamers, bonsoir. J'espère que ça va bien ce soir, comme chaque soir, la petite boutique de ce soir. Et ce soir, comme je vous dis qu'au moment d'Halloween, il y a toujours pas mal de skins, y compris ceux qui ont sauvé le monde, ont eu deux skins gratuits. Qui a eu donc le, comme je vous ai répété, vous n'avez peut-être pas vu la vidéo que je vais poster bientôt d'ailleurs, j'ai pas tout mis, le live que j'ai fait. Donc en fait, il y a le skins pour ceux qui ont sauvé le monde et qui sont pas encore connectés à sauver le monde aujourd'hui, ou même hier, parce que c'est à partir d'hier qu'il y a eu. Il a eu le skins du coup, la chevaleresse, je vais n'importe quoi moi, la chasseuse, excusez-moi, la chasseuse de crâne, et un nouveau skin inédit qui est sorti en mode zombie et qui est sorti aujourd'hui en boutique pour ceux qui sont Battle Royale. Donc c'est parti pour la boutique. Donc voilà, ça fait peur et de retour. Il y a plein qui vont sûrement râler pour celui-ci, mais moi je suis assez contente. Disons que, à part que je joue beaucoup à sauver le monde si je veux avoir ce skin là. Il est vraiment sympathique, franchement. Voilà, il fait vraiment les yeux jaunes et tout. Moi, j'aime bien le style. Ah, je vais sûrement le prendre, ça. En plus, il vit sur Rebels. C'est pas le plus cher des skins qui vient de sortir, donc c'est pas top à dire. C'est plutôt pas mal. Donc voilà, je vais l'acheter. Donc, faut que je joue à sauver le monde pour les créer des Rebels tout à l'heure. Je vais sûrement prendre celle-ci si je peux. J'avoue que j'aime bien. Bah, elle est pas ouf, mais elle est pas mal non plus. Elle est rare, enfin. C'est quand même la deuxième fois que j'ai sorti la boutique et la deuxième première fois c'était il y a un an. Vous avez aussi la danse de retour, Bel Air. Ensuite vous avez donc le planeur Zephy. Voilà. Tout simple. Voilà. Coloré et tout. 800 V-Bucks, donc un planeur rare. Vous avez aussi la petite pioche pêche d'Actic qui est revenue aux boutiques pour la je sais plus combien de fois. Pour 500 V-Bucks. Vous avez de retour du coup la Chroma. J'ai vu quelqu'un tout à l'heure jouer avec ce skin là d'ailleurs, que j'ai rushé pas mal. Pour 1200 V-Bucks, voilà. En féminin. Donc c'est un skin rare. Vous avez de retour du coup la Chauffade. Ça fait longtemps on l'a pas vu. Du coup, un stick à 800 V-Bucks, du coup, le skin. Voilà, atypique. Et la petite action, voilà, pour 200 V-Bucks. Jubilation, voilà. Voilà. La petite boutique de ce soir, j'espère qu'elle vous plaît. Moi j'avoue que le petit skin zombie, je vais le prendre, voilà. La piole, je sais pas encore, on verra. Et puis voilà. Bon, le reste de l'autre côté, bon, c'est pas trop le genre de truc que je kiffe. À part la danse, bien l'air, j'aime bien, mais bon, je vais pas t'acheter, hein. Mais voilà. Tu vas me dire, des danses qui vont sortir bientôt, et bon, ça m'embête d'acheter des vieilles lorsqu'il y a des neufs qui vont sortir. Voilà. Sur ce, je vous laisse pour cette petite fin de vidéo. Et demain, surtout pour la boutique comme chaque soir, il y aura également la vidéo pour justement l'étoile où se trouve l'étoile de la semaine 5, que je posterai demain. Parce qu'il ne me reste plus qu'un défi, celui du minigun. Mais le problème, c'est que je ne trouve pas de minigun ni de pistolet. Bon, bref, il me reste juste ce défi-là voilà, à finir. Donc voilà, j'ai fini tous les autres. Donc on verra donc demain pour le reste des vidéos. Portez-vous bien, bonne game si vous jouez actuellement. Et bonnes vacances si vous êtes en vacances. Et si c'est pas le cas, et bah. Vous serez sûrement en vacances de toute façon demain, donc au pire, allez, peace et portez-vous bien.